Bonjour les enfants de l'école de musique. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser deux contes en musique, Le soir quand je m'endors et Zazou le petit singe. Pour cela, utilisez les instruments de musique que vous avez chez vous. Écoutez attentivement l'histoire une première fois, et la deuxième fois, c'est à vous de jouer. Le soir quand je m'endors. Pour réaliser ce conte, il vous faudra un triangle, un xylophone, deux claves ou deux bâtons en bois, une flûte et un tambourin. Le soir, quand je m'endors, je fais des drôles de rêves. Parfois, c'est tout doux et je me sens bien. Mais quelquefois, j'ai très peur. J'entends de drôles de bruits. C'est peut-être un ours qui rôde. Ou un loup qui frappe à ma porte. Mais quand c'est le fantôme, je me réveille en sursaut et j'appelle « Maman, papa !» Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Allez, à vous de jouer. Le soir, quand je m'endors, je fais des drôles de rêves. Parfois, c'est tout doux et je me sens bien. Mais quelquefois, j'ai très peur. J'entends de drôles de bruits. C'est peut-être un ours qui rôde ou un loup qui frappe à ma porte. Mais quand c'est le fantôme, je me réveille en sursaut et j'appelle « Maman, papa !» Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Zazou, le petit singe. Pour réaliser ce conte, il vous faudra un triangle, un tambour, un xylophone, une flûte à coulisses ou une flûte à bec et des maracas. Zazou, le petit singe, dort au fond de la forêt. Son ami Pad, le panda, vient le réveiller. Zazou s'étire et lui dit gaiement « Bonjour !» Zazou et Pad se promènent dans la forêt et rencontrent leur amie Ginette, la girafe. Les trois amis poursuivent leur chemin ensemble. Il ne reste plus qu'à chercher Zoulou le serpent. Zoulou, Zoulou! Le voilà, ce farceur. Il est toujours en train de jouer à cache-cache. Les quatre amis se promènent et s'amusent dans la forêt. Zazou, toujours en avance sur les autres, grimpe dans un arbre et regarde au loin. Et que voit-il ? De la fumée, du feu ! Très vite, Zazou redescend de l'arbre et prévient ses amis. Affolés, ils se mettent tous à courir. Il faut courir encore plus vite, vite, vite! Nos amis ont très peur. Par ici, crie Ginette la girafe. Il y a une rivière à traverser. Et l'un après l'autre, nos amis traversent la rivière. Ouf! Ils sont sauvés. Jamais le feu ne pourra arriver jusqu'à eux. À nouveau, Zazou grimpe dans un arbre et regarde au loin. Il n'y a plus de fumée, le feu s'est éteint. Zazou redescend de l'arbre et rassure tous ses amis. Épuisés par l'émotion, ils se couchent et font une petite sieste. Au bout d'un moment, Zoulou glisse sur chacun et le chatouille. « Allez, debout !»«
Au revoir Ginette. Au revoir Zoulou. Au revoir Pad. Au revoir Zazou. À demain pour de nouvelles aventures. Vous êtes prêts? On le refait ensemble. Zazou le petit singe dort au fond de la forêt. Son ami, Pad le panda, vient le réveiller. Zazou s'étire et lui dit gaiement « Bonjour !» Zazou et Pad se promènent dans la forêt et rencontrent leur amie Ginette, la girafe. Les trois amis poursuivent ensemble leur chemin. Il ne reste plus qu'à chercher Zoulou le serpent. « Zoulou, Zoulou !» Ah, le voilà ce farceur. Il est toujours en train de jouer à cache-cache. Les quatre amis se promènent et s'amusent dans la forêt. Zazou, toujours en avance sur les autres, grimpe dans un arbre et regarde au loin. Et que voit-il? De la fumée, du feu! Très vite, Zazou redescend de l'arbre et prévient ses amis. Affolés, ils se mettent tous à courir. Vite, encore plus vite! Vite, vite, vite! Nos amis ont très peur. Par ici, crie Ginette la girafe. Il y a une rivière à traverser. Et l'un après l'autre, nos amis traversent la rivière. Ouf, ils sont sauvés. Le feu ne pourra jamais arriver jusqu'à eux. À nouveau, Zazou grimpe dans un arbre et regarde au loin. Il n'y a plus de fumée, le feu s'est éteint. Zazou redescend de l'arbre et rassure tous ses amis. Épuisés par l'émotion, ils se couchent et font une petite sieste. Au bout d'un moment, Zazou glisse sur chacun et le chatouille. Allez, debout! Au revoir Ginette! Au revoir Zoulou! Au revoir Pad! Au revoir Zazou! À demain pour de nouvelles aventures!